Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un événement historique. En effet, comme vous le savez déjà, nous avons l'honneur insigne d'assister à un double événement, le couronnement de deux membres éminents, je devrais dire éminentes, de notre gouvernement. J'ai nommé la vice-première ministre, Mme Keturah Moako, et la ministre du patrimoine, Madame Marie-Ange Biot-Thébault. Nos deux ministres vont être couronnés par l'empereur des Haïso, qui est également membre de l'État de la diaspora africaine que vous connaissez, et qui a accepté de conduire cette cérémonie. Il a consulté les ancêtres, et effectivement, le couronnement a été accepté. Par conséquent, il va faire un message vocal qui vous sera transmis d'ici quelques minutes. Et en parallèle, il continue la cérémonie au Bénin avec la cour impériale qui est en train justement de faire le rite conformément à la tradition. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer et je vais aussi présenter en anglais, bien entendu, le programme.
So good afternoon, ladies and gentlemen. It's a very moving and special time, a historical time today. As you already know, we will see the coronation of two of our great ministers, Mrs. Ketura Amwako, our Vice Prime Minister, and also Mrs. Marie-Ange Biyo-Tebo, our Minister of Historical Legacy. They will receive a coronation from the Emperor of the Aizos, who is one of our great members. You probably know him already. The Emperor of the Aizos is in Benin, and he has made a vocal message, which I will share with you. And you will hear not only the confirmation of their coronation, but also the name chosen by the ancestors. In the meanwhile, the ceremony will continue in Benin. They will be able to record it and send photos later. I do not want to be too long, but it's very important for us to understand the profoundness of the ceremony that means a lot to us, which is in line with the portfolio of both ministers. Mrs. Amwako is in charge, as you know, of reparation, restitution, repatriation, and that's her whole ministry. So repatriation, restitution, restoration, reparation, all of that is included, in fact, in that coronation. And also for Mrs. Tebo, it's in line with her ministry because she is a minister of historical legacy. Donc, je crois que, comme vous le comprenez très bien, ce couronnement, il est en ligne, il est cohérent avec le portfolio, le ministère qu'elles occupent, Madame Marie-Ange Biyo-Tebo, qui est chargée du patrimoine, et la vice-première ministre, qui est chargée du retour, de la restitution, de la réparation, etc. Donc, c'est cela qui est contenu dans cette notion même de couronnement. Et puis aussi, je dirais que c'est évidemment une forme d'accomplissement qui évidemment, vient récompenser un engagement extrêmement fort depuis plusieurs années, un travail, et c'est cela aussi que le couronnement manifeste. Et donc, le vice-premier ministre, M. Hugh Johnson, et moi-même sommes très heureux de pouvoir partager ce moment très important, ce moment historique, on peut le dire, avec vous. So that's why the Vice Prime Minister, Mr. Hugh Johnson, and myself are very, very glad to share this time with you. So now I'm going to share the vocal message that I've just received from the Emperor. So he made it in French. Of course, it will be translated after in English. And you can see the Emperor. As I said, the connection is not stable, so you can see him and you will hear him as well. Donc, vous voyez déjà l'Empereur, Sa Majesté, et vous pouvez le voir et vous pourrez l'entendre. Donc, je vais partager avec vous le message vocal qu'il nous a envoyé. Bonjour, la famille. J'espère que vous allez bien. Tout un honneur pour moi de vous parler aujourd'hui, 4 juillet. Salle des prêtres. Après consultation. Nos deux sœurs qui ont été choisies comme reines. C'est un honneur pour moi en tant que Sa Majesté Adiawuto Dodo Bojeto Wadihwe, l'empereur mondial des Aïzo, de couronner mon vice-présidente, ministre du rapatriement de la diaspora africaine. Et aussi, c'est un honneur pour moi de couronner notre sœur, Dame Marie-Ange
Milo Debo, ministre d'État de la diaspora africaine, vice-présidente de la Chambre des rois. Un honneur pour moi. Ma faveur, je déclare ce jour mémorable. Marie-Ange l'expérience. Haïti, qui veut dire la reine de la sagesse. Haïti, qui veut dire la reine de l'amour. Elle a été choisie par les ancêtres. Donc, partir d'aujourd'hui, que Sa Majesté impériale, j'appellerai notre sœur Marie-Ange Bilo Tebo, reine Haïti. Au même moment, je passe par là aussi pour notre sœur, Dame Ketura aussi, en tant que reine, à partir d'aujourd'hui, devient la reine Wendokon. Tel a été son nom fort après les consultations avec sages. Dogon, c'est la reine de la justice et de l'égalité. Donc, à ma faveur de l'empereur, les Aïssa, je les déclare reine aujourd'hui, ce jour mémorable, 4 juillet 2021. Merci beaucoup. Je crois que vous avez entendu le nom qui a été choisi et je vais procéder à la lecture, à la traduction en anglais. So, I just want to translate the message that was written, that was sent to us by the Emperor of Aizu. Greetings to the family. It is an honor for me to speak today. We are the 4th of July, and I am in the room with the priests. After the consultation, our two sisters have been chosen as queens. It is an honor for me and as Majesty Ajautu Dodo, Emperor of the Aizu, I am coronated Mrs. Ketura Amoako, Vice Prime Minister of Repatriation, and Mrs. Marie-Ange Biyo Tebo, Minister of Historical Legacy of SOAD, co-chair of the Royal Chamber of SOAD. It is a great honor for me. That is a day of memory. Now, Mrs. Marie-Ange Biyo Tebo is Queen
IG. IG means a lot. It means that she's the queen of hope. She's the queen of wisdom. She's the queen of love. That is the name that was chosen by the ancestors. And as Imperial Majesty, I will now call our sister, Marie-Ange. I will call her Queen Ig. Also, our sister, Mrs. Quechua Amoako. Now, I will call her as a queen, as of today, Queen Windokon. That is the strong name that is given to her after consultation with us wise people. And Windokon means that she's a queen of justice and equality. Hence, I declare both of them queen that immortal day, 4th of July, 2021. Thank you, everybody. And he says his Zoom is okay and he's in the room. I suppose he is. Let's try. Yes, let's try to see if it works. Majesté, nous vous souhaitons la parole en espérant que la connexion fonctionne. On a en tout cas reçu le message. Je l'ai traduit. Et donc, nous vous écoutons.
I'm gonna
Bon, j'espère que... Rebonjour tout le monde. Bonjour, Majesté. Oui, ça, c'est une cérémonie d'une bénédiction pour les reines. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Si vous voulez peut-être dire quelques mots, on a déjà entendu, mais vous pouvez vous répéter et nous serons très heureux de vous entendre et de vous voir en même temps. Comme elles ne sont pas là, donc c'est une cérémonie pour leur souhaiter tout le meilleur au long de leur carrière en tant que reine. So His Excellency is wishing the best both of you queens for your career. Comme j'ai fait des prières pour eux, c'est comme ça aussi. Toutes ces dames vaudouisantes qu'elles vont en face d'elles, les retrouvent toujours. Ça, ce sont des prières que quand on fait, c'est comme si à partir d'aujourd'hui, elles sont la bienvenue dans la cour royale. So the Empress saying that they have performed all the prayers and all the women in the voodoo tradition have made all the prayers and it means that today both of you are very welcome in the imperial court. Thank you, Your Majesty. Et maintenant, le prêtre va faire la prière en langue Aïzo pour que tout le monde puisse l'entendre. Même s'ils ne comprennent pas, les esprits comprennent. Merci. So now, the priest is going to make the prayer in the Aïzo language. Even if you don't understand the words, the spirit will get the meaning. Thank you. Thank you. Thank you. Don waimo medo beda hosusu da hunami. Mo zipo e zipo ajato dodo pojeto nipeto. Mi me in ren bo yin bi mi ton. Bo to pe bo moro de mi kuna ze to mi ton so dai hunawo. Egbe o reno IG. Ouais, mais nous comptons Eni. Mais oui, go Eni Reno, ouais, Dukon. Lo, mais les sous l'ont tant qu'on le monde dit, qu'est-ce y a? Soi wa yo, nous aimons bon, et bon, vous nous l'avez. Lo, et on dit, mais y a, vous nous l'avez, mais bon, vous nous vovo. Tiens, oui, quoi? Attends, et par là, tu bois des yon, et des yon. Mi wa ru mi mo do a e ohun vi e na si wa pe o ko do bo kha lo kha mi to ayizo kan me do be ne on ile o mi so yo mi jo mi we so yi ni ene on na mi ti fa ga je gbada bo mi na do jire kon lu bo nu e mi ni bo na wa te beton le bi ene nu bo mi na mo na do be jire ji bo ti che na wa mi bi si ko do me do wa ayizo kan bo do no te me te me wa nu te me bo do si te me te wa nu te yo ye bi na nu Not here. Yes. Sa Majesté, remettre le micro, parce que là, le micro est coupé. Oui, Sa Majesté, est-ce que vous pouvez remettre le micro? Je crois qu'il a été coupé par accident. C'est bon? Parfait. J'ai dit, même si tout le monde ne comprenait pas la langue Aïzo, je pense que vous avez vu la cour. Et ceux qui sont de l'autre côté verront que c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, elles sont reines et elles sont reines durant toute leur vie.
So even if you don't get the meaning of the prayer, everybody can see that it's real. Today they are queen, and they will be queen all their life and forever. Thank you so much, Your Majesty. Very honored, Your Majesty. Si ils peuvent nous accorder quelques secondes, et on va faire une petite clôture et laisser le débat continuer. C'est-à-dire qu'elle va un peu animer, non? Si on donne quelques autorisations de quelques minutes. Est-ce que les reines, d'abord, ma question, elle est simple. En public, est-ce que les reines ont accepté le rôle que le royaume les a attribué? Elles doivent me répondre devant tout le monde. Alors absolument, je vais leur donner la parole. So the emperor is asking whether the queens have accepted the mission given to them. So I will then give the floor to our vice prime minister, Queen Windhoek. So Queen Windhoek, would you like to make a speech to tell us if you accept the mission given to you? Thank you, Your Emperor. Thank you, Your Majesty, for such a profound, profound ceremony. And I know you've been working tirelessly since Tuesday. And we are absolutely so grateful and honored to be bestowed that the ancestors have given us these powerful names. And of course, with all my spirit and all my soul, I accept the mission of Windhoek. Donc merci, Empereur, Majesté. Je sais que vous avez travaillé inlassablement depuis mardi pour préparer cette cérémonie. Je suis absolument touché. Et bien entendu, j'accepte humblement la mission qui m'est donnée. And the name meaning this inequality is in line with the mission, which is repatriation, restitution, reparations, and restoration. All of that is justice. That is the return of what belongs to us as Africans. Thank you. Yes, so, donc, le nom qui m'a été donné signifie égalité, justice. Il est parfaitement cohérent avec mon portefeuille qui inclut la réparation, la restitution, le retour et la restauration. Tous ces mots veulent dire en fait justice. Donc, le nom qui m'a été donné correspond à la mission qui est la mienne. J'en suis très heureuse et je vous remercie. So now I'm going to give the floor to Mrs. Marie-Ange Biyotebo, Queen IG, who will tell us if she does accept the mission given to her. Donc je donne la parole à Marie-Ange Biyotebo qui nous dira si elle accepte la mission qui lui a été donnée en tant que reine IG. Your Majesty, Vice Prime Minister, Minister, Prime Minister, and both Vice Prime Ministers, and Your Majesty, Ajauto Dodo Uno. Yes, I do accept this mission. And I think that in this mission, hope, wisdom, and love between Africans and African descent will be truly needed. Thank you. Thank you for Queen IG. I think this is really a great name. Merci, Majesté, Vice-Premier ministre, ministre, député, ambassadeur, à toutes et à tous. Oui, j'accepte la mission. Dans cette mission où se retrouvent l'espoir, la sagesse et l'amour, notamment l'amour entre les Africains du continent et de la diaspora, tout cela sera bien nécessaire. Donc oui, je me retrouve dans cette mission et je crois que c'est un très beau nom que j'accepte volontiers.
Donc, je vous laisse. Ou bien, vous voulez un peu d'animation avant qu'on clôture ou bien oui. On continue? Oui, on veut bien un peu d'animation. So, our emperor is asking if you want to conclude now or if you want more activities, more celebration. And I think, yes, we want more celebration. Oh,
Majesté, nous voulons vraiment transmettre tous nos remerciements à toute la cour de l'empereur des Aïzo.
Merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Pour remercier le monsieur pour notre peur. Yes. Hello. Bye. So everybody says they're grateful to the Emperor. Merci encore, Majesté. C'était une très belle session. Nous voulons remercier non seulement vous-même, mais aussi toute la cour, le prêtre, les prêtresses, toute l'assistance, véritablement. C'est un grand honneur et donc une date mémorable, comme vous l'avez dit à juste titre. So I want to give express our gratitude to the emperor, to the priest, the woman performing the dances, the voodoo dances, and all the people who attended the meeting. So we are very grateful, and in the name of all, I want to say thank you. Thank you. See you soon. On vous voit bientôt. Thank you, Your Majesty. Beautiful, beautiful. Au revoir. Beautiful. Au revoir. 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 Bye bye. Bye bye. It was a beautiful ceremony. Absolutely. Thank you. Thank you to the organizers. Very well done. Thank you. May I please take the floor to really just round off my speech, if I may? Of course. Queen Windhoek, please. Thank you very much. So I'm just going to read from what I've prepared, and it's I'm actually overwhelmed. I'm very much overwhelmed. I'm very much deep in my heart and spirit. But first of all, let me just do the opening, which is, may I first welcome all the great kings, queens and monarchs, traditional leaders and excellencies that are in the room, distinguished dignitaries and all honorable SOAD government members, friends and family, guests and supporters, all protocols observed. Bon, je suis absolument comblé par tout cela, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et donc, je voudrais saluer à cette occasion toutes les personnalités, Sa Majesté, bien sûr, les ministres, les vice-premiers ministres, les ambassadeurs, députés, toutes personnes de grand grade présentes dans la salle. Today, as you can see and experience and feel, our Imperial Majesty Dada Ajoto Dodo has sent us a collective blessing to the global Pan-African family. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, Sa Majesté Ajoto Dodo nous a envoyé une bénédiction collective pour l'ensemble de la diaspora. And as you can see, His Majesty the Emperor has been in preparation for this day since Tuesday the 29th of June. And now all the spiritual protocols have been completed. Et donc, comme vous l'avez vu, Sa Majesté avait préparé cela depuis le 29 juin pour cette cérémonie, et maintenant tout est accompli. We have borne witness to the extensive preparations. We were even honored to be in the car with him on his journey to the village, which is many, many kilometers from the palace. And we thank him so much for taking us on that journey. Nous avons même pu assister, en fait, au voyage qu'il a fait du palais jusqu'au village. Et nous sommes très heureux d'avoir pu participer à ce périple, ce voyage. So from where I stand in being coronated a queen, or another name, the original name Kandak, which is the original name, Queen Hwindikun, which the ancestors have bestowed upon me, this has caused a great shift in my being and also in the spirit world. Donc de là où je suis, j'accueille véritablement son nom et je Kandak. Puisque c'est le mot « reine » qui est utilisé bien souvent en Afrique autrefois. Donc voilà ce titre que je revendique et que j'accepte bien volontiers. The next level of the journey has begun.
And it is at a high level, as you can all see and feel. And this journey is not just for myself and Marie-Ange, our Queen Ajib. It is for all of us. Et donc, le voyage n'est pas juste pour moi et pour Marie-Ange, il est pour nous tous et nous tous. His Imperial Majesty Dada Ajutu Dodo has performed since Tuesday for this day, and his words were, "This is my duty." As an emperor, he sees it as his duty to serve. And thus it is our duty as queens to serve at the next level and take and be and go to the next level of vibration. Et donc, Sa Majesté a accompli le rite depuis mardi. En tant qu'empereur, il a accepté de servir. C'est à notre tour d'accomplir cette mission de service. As you can see, this is not a play, this is not an act, this is not a cinema. It is real, it's a reality. And today it has peaked and solidified an energy, a frequency that we must now all embody towards our spiritual, physical and mental sovereignty. Donc vous le voyez, tout cela n'est pas de l'imagination, c'est une réalité, c'est une énergie mentale, afin de garantir notre The ancestors have opened the portal, the gateway of that frequency. And I ask all of you, will we enter that gateway and continue the journey together? Les ancêtres ont ouvert cette porte et je vous invite aussi à l'ouvrir pour que nous puissions continuer ensemble ce voyage. My first and foremost humble thanks and gratitude and commendations to Dada Ajutu Dodo for his kindness and commitment in making this Zoom coronation a landmark in the annals of our story. Et donc, bien entendu, mes remerciements vont d'abord et surtout à Sa Majesté la Virgule Dodo, qui a vraiment marqué mon expérience dans cette mission qui m'est confiée. Furthermore, it doesn't stop here. It is required of us to perform the live physical coronation in Benin, where the entire royal palace, royal court, excellencies, elders, spiritual leaders, priests and priestesses will again prepare, which will take months of preparation, and we are ready to complete this for the sake and in service to our global Pan-African family. Cela ne s'arrête pas ici. Nous allons bientôt nous rendre au Bénin, où Sa Majesté, les Excellences, la Cour, les prêtres seront présents physiquement pour la suite de la cérémonie. Ça prendra des mois, mais nous sommes prêtes à accomplir le rituel nécessaire. And thus, the mission of SOAD and the restoration of the kingdoms, as you can see, is essential. Et comme vous le voyez, la mission d'État de la diaspora africaine de la restauration des royaumes est essentielle. The kingdom, queendom's time has come. Our time is now. The diaspora and the kingdoms will speak with one voice and act with one heart. Le temps des royaumes est advenu et nous parlons désormais de la même voix. We should understand that we are the ancestors we have been waiting for. And thus, all the work that, as the global Pan-African family, we are doing in making these reconnections from the diaspora to Africa and Africa to the diaspora, it had already been predestined and predetermined. And thus, we are now in the fulfillment. Nous devons comprendre que c'est cela, justement, que nous attendions. Précisément, il s'agissait de faire la connexion entre l'Afrique et la diaspora. Cela avait déjà été prédit et déterminé. Donc nous sommes en train de le mettre en œuvre simplement. So in the finale of today, July 1st to the 4th. The narrative. The unity of the diaspora. Sorry, Queen, I think there was a problem in the connection. Could you please start again your sentence? Yes. So in the finale of today, from 1st July to July 4th,
It has been magnificent. Donc, dans ce final des cérémonies qui allaient du 1er au 4 juillet, cela a été magnifique. Today, we will change the narrative with the unity of the diaspora with the kingdom. We shall not be known as Afro-descendants. Let us decree together that from today we'll be known as African ascendants, for we have risen and we are ascending. Aujourd'hui, nous changeons le discours, le récit, que désormais on ne nous appelle plus Afro-descendants, mais c'est plutôt des Afro-remontants. No longer shall we descend in the quagmire of self-hate, self-denial, and the low attributes that tarnish our being and our character. This day, this hour, and this minute, we have together activated Afri ascendancy. Et donc, nous avons laissé de côté la haine de soi, le déni de soi, de ses origines, tout cela, c'est fini. Nous avons activé véritablement la mission et notre africanité. House's passion to the Pan-African Renaissance and their commitment to the diaspora has touched my heart deeply, and we are so happy that we are now finally ancestrally connected, so that we will move together as a most powerful force globally. Et donc, nous sommes maintenant dans cette maison royale qui signale la renaissance africaine, et nous sommes désormais connectés à travers les ancêtres et à travers notre cœur avec l'Afrique. The kings and queens of Africa and their children, the African ascendants, in working closely with the kingdoms of Africa, we planted a new root which will blossom into a new great tree of the forest. The bond between us and the kingdoms has been restored, and we pray that never will our bond be broken again. Donc les rois et les reines qui travaillent avec nous permettent de restaurer ces royaumes, de recréer ces liens qui ne seront plus jamais brisés. And if I may just to have a closing prayer. Yes. Si je peux and faire I will start our uplifted finale. Our uplifted and benevolent ancestors. Donc je voudrais célébrer les ancêtres. Guides, protectors, healers, light bearers and wisdom keepers. Je voudrais aussi évoquer les guérisseurs, ceux qui soignent nos cœurs, nos esprits. Please stand with us. Be with us in this moment, in this time, and within this window. Soyez avec nous dans ce moment, en ce temps. And guide us along the road with a cool head and clear minds. Et guidez-nous le long du chemin, que nous ayons les esprits clairs. We are the root of your root, soil of your soil, bone of your bone, and blood of your blood. Nous sommes la racine de vos racines, l'âme de vos âmes et le cœur de vos cœurs. Hear our sincere cries and our honest placations. Bestow upon us the gifts of perfect health, wealth and abundance. Ainsi nous pourrons avoir la santé, l'abondance et tout ce dont nous avons besoin. Stay forever close to us so that we may honor and grow your legacy throughout time. Soyez toujours auprès de nous pour que nous puissions toujours bénéficier de cet héritage. We embody our commitment to our lineage and we vow that we will honor and realize that commitment for our future generations now and to come. Ashe, ashe, ashe. Nous voulons réaliser cet engagement pour nous et pour la génération future, haché, haché, haché. Thank you to all of you. Thank you for bearing witness to this day. I'm so happy that all of you have been here with us to be a part of this spiritual transformation. Thank you to all of you. Donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette séance, à ce couronnement, et d'avoir participé
à cette transformation spirituelle. Thank you. So, I would like to know if Queen IG also wants to say something else. Donc, si la reine IG veut aussi dire quelque chose. Oui, bien sûr, Premier ministre. Je vous laisse faire votre propre traduction qui sera sûrement plus fidèle que ce que je préfère moi-même. Yes, of course. I will begin by saying thank you to Dada Adjaouto Otto, Dodo, and all the court. And I will also thank my ancestors that have been my guide for a long time and that will guide me again all my life. Je commence par remercier Dada Adjaouto, Dodo et toute la cour. Je remercie aussi mes ancêtres qui m'ont guidée jusqu'à maintenant et qui vont me guider encore tout au long de ma vie. Oui, j'ai un petit texte pour vous. Yes, I have got a speech for you. We are a few hours from the end of the events for the International Day of the African Diaspora. And we were preparing because it is the past now. We have done this ceremony with the emperor and it has been a historical moment. As Minister of Heritage, I am happy to participate and to be involved in what symbolizes the spiritual door of the return of African descent. Our ancestors who left the African continent to serve the slave trade had an endogenic culture, and some of them were even descendants of royal families. Lost forever in this past that we now wish to reconnect with the present. This is supposed to calm down the ancestors' pain and ours in Africa and in the diaspora. Part of the reason why we are here is that is also the will of the ancestors. We wave the new rope over the old one. We want to be symbols of peace and freedom in this world that never stops quarreling and fighting for wealth, for power, for privileges. We do not only inherit a title today, but also a mission. Our responsibility is linked to that of the kings of the royal chamber, the state of the African diaspora, the sixth region of Africa, together with African countries, must ensure good understanding, a climate of cooperation and sharing in good understanding. We must stop pointing fingers to others by thinking some inherit more than others the part of the legacy of Africa. We are a role model for the youth. We must build the world of tomorrow so that these young people feel safe, loved, and supported. We must put an end to all infantilism. We must be responsible and generous towards our fellow human beings. It is not a matter of dictating good behavior. I wish everyone think and act with all their soul and conscience. My mission as Queen IG of the diaspora is to ensure that the repair, repatriation, and restoration of kingdoms are done for the best for African descent and the next generations of African people. Nous sommes à quelques heures de la fin des événements de la Journée internationale de la diaspora africaine
et nous nous apprêtons avec l'empereur des Aïzo et nous avons effectué avec l'empereur des Aïzo, nous venons de vivre un moment historique. En tant que ministre du patrimoine, je suis heureuse de participer et d'être impliquée dans ce qui symbolise la porte spirituelle du retour des Afro-descendants. Nos aïeux, qui ont quitté le continent africain pour servir la traite négrière, avaient une culture endogène et certains étaient même des descendants de familles royales perdues à jamais. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon texte. Donc, certains étaient même des descendants de familles royales perdus à jamais dans ce passé que nous souhaitons aujourd'hui renouer au présent. Que soit calmée la douleur des ancêtres et les nôtres en Afrique et dans la diaspora. Si nous sommes ici, c'est en partie la volonté des ancêtres. Nous tissons la nouvelle corde sur l'ancienne. Nous voulons être des symboles de paix et de liberté dans ce monde qui ne cesse de se quereller et de se battre pour les richesses, pour les pouvoirs, pour les privilèges. Nous n'héritons pas seulement d'un titre aujourd'hui, mais aussi d'une mission. Notre responsabilité est liée à celle des rois de la Chambre royale. L'État de la diaspora africaine, la 6e région d'Afrique, conjointement aux pays africains, se doivent de faire régner une bonne entente, un climat de coopération et de partage en bonne intelligence. Nous devons cesser de nous montrer du doigt en pensant que les uns héritent plus que les autres la part d'héritage de l'Afrique. Nous sommes un modèle pour la jeunesse. Nous devons construire le monde de demain pour que ces jeunes se sentent en sécurité, aimés et aidés. Nous devons faire cesser tout infantilisme. Nous devons être des personnes responsables et généreuses vis-à-vis de nos semblables. Il n'est pas question ici de dicter la bonne conduite, mais de souhaiter que chacun réfléchisse et agisse en toute âme et conscience. Ma mission en tant que reine Aïdji de la diaspora est de faire en sorte que la réparation, le rapatriement et la restauration des royaumes se fassent au mieux pour les Afro-descendants et la génération future de descendants africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux reines. Avant de conclure, je voulais simplement dire deux choses. Rappeler d'abord que Marie-Ange Biotebo, la reine Aïdji, est désormais la coprésidente de la Chambre royale de l'État de la diaspora africaine. So just a quick reminder, just to let you know, if you don't know it already, that Queen Aïdji is also the co-chair of the Royal Chamber of the State of the African Diaspora, and she will be working in that capacity as well. Et je voudrais aussi annoncer que Sa Majesté, l'Empereur des Aïzo, a accepté d'être le vice-président de la Chambre royale de l'État de la diaspora africaine pour la zone de l'Afrique de l'Ouest. And also, I wanted to announce that His Majesty, the Emperor of the Aïzo, has accepted to be the Vice Chair of the Royal Chamber of the State of the African Diaspora for Western Africa. So I would like to thank him for his confidence, for his trust, and his nomination. Donc je veux le remercier pour la confiance qu'il nous accorde, pour cette nomination et pour la mission que nous allons accomplir ensemble. So I have nothing more to say apart from my gratitude to our queens for their commitment, their beauty. They will blossom, they will encourage others to follow the same example. You are an example for all of us, men and women. Et donc, vous êtes vraiment un exemple pour nous tous, hommes et femmes. Et donc, j'invite tout le monde à suivre votre exemple. And now, I would like to leave the floor to the Vice Prime Minister, Mr. Hugh Johnson, who will make the conclusion of this session
of this coronation and this ceremony. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Hugh Johnson, qui va prendre la parole et qui va conclure cette session qui conclut en fait cette journée et également du 1er au 4, ces cérémonies. Et je vais demander aussi à Monsieur Ami Saleh, qui nous aide tellement, s'il veut bien faire la traduction du discours de Monsieur Hugh Johnson, car je suis tellement troublé que je risque de ne pas traduire correctement. Voilà. Monsieur Ami Saleh, est-ce que vous êtes disponible? Tout à fait, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Bon, alors très bien. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Hugh Johnson. Let me give the floor to Mr. Hugh Johnson. Thank you, Prime Minister Louis George Tint. Emperor. Merci, Monsieur le Premier ministre George Lutin. Two new enthroned queens. À nos deux nouvelles reines qui viennent d'être intronisées. Ministers of government and dignitary of the state of the African diaspora. To all our well-wishers. And I must congratulate the singers and dancers who participate in this ceremony for us today. Au nom de tous les hauts responsables de l'État de la diaspora, les ministres, les vice-premiers ministres, je voulais féliciter tous ceux qui ont participé aux cérémonies de danse de cette intronisation. May I say that I'm overwhelmed with joy. Je peux dire que je suis rempli de joie. There are tears of joy flowing in my heart, in my eyes, and in my entire being to be able to witness this moment. Il y a des larmes de joie qui coulent de mes yeux et de tout mon être entier. As the main objective of SWAD is to bring the diaspora to the continent and the continent to the diaspora. This occasion. L'objectif premier de la diaspora, c'est d'amener les Africains à la diaspora et la diaspora aux Africains. This occasion has cemented and started this mammoth journey. And I can only classify this event as the beginning of the return. And je place cet événement comme le premier élément du retour. To see the open arm with which the emperor and his entourage welcome back the children of Africa to the motherland. Je vois comment cet empereur, les bras ouverts, accueille tous ses enfants d'Afrique qui reviennent au pays. And as they open their arms to welcome us back, we understand the magnitude of the great work that lies ahead of us. Nous réalisons par l'ouverture, voyons la grande travail que nous attend. And for that great work, I'll now call upon all our brothers and sisters on the continent. All our brothers and sisters in the diaspora, and who are par rapport à la grandeur, mes frères et sœurs, à participer à cette grande tâche. Leaders in our own right to bring this to fruition, to pledge by God's grace. Je souhaite que leaders fassent un serment de confiance et d'engagement par rapport à cette tâche. That this great movement can be likened onto a chain, and each of us is a link in that great chain. And it is for each of us to play. Nous sommes tous des maillons d'une même chaîne.
that the chain may never break where I stand. And que cette chaîne ne rompe jamais. And if that should come to fruition, that all of us stand up, in spite of the difficulties, in spite of the challenges, that the break, the chain will never break where we'll have that. C'est un challenge auquel nous devons tous nous engager afin que cette chaîne ne se rompe jamais. To liberate our race. Afin de nous libérer. Without and wearing your patience, I want to just say, the journey has begun. And Newton Love Motion stated that the greatest force is to begin. We have begun this journey. Let us keep going forward and grow from strength to strength, build the synergy, the union, and the camaraderie between the diaspora and our African brothers and sisters, that within our lifetime, we'll see the transformation of Africa and Africans world over. May I thank you for your time, and may I say again, hearty congratulations to my two queens, and I'm sure you'll continue to do the great work that you have been doing. And at last, we may be able to say, home at last, home at last. Thank God, we are free at last. Thank you. Thank you, BPM Hugh. Je sollicite donc l'engagement de tout un chacun afin que, unis les uns envers les autres, nous puissions aboutir à cette grande mission qui est la nôtre. Et je voulais aussi saluer nos deux reines pour leur intronisation, leur engagement. Et je souhaite que tout un chacun, nous puissions travailler main dans la main pour que cette mission de retour des Afro-descendants puisse une réalité. Je vous remercie. Excuse me, Mr. Liu Jianson, our Vice Prime Minister. Because you're speaking rightfully, of course, about repatriation, would you like to say a few words about your journey that you're organizing in a few months, I believe, towards Ghana? Or is it too early, or can we share the secret? It's an open secret that it's an all one to share. And may I say to you? So let me ask Mr. Ansel if he can continue the translation. Donc je demandais, excusez-moi, à notre vice-premier ministre s'il voulait bien partager un petit secret. Oui. On parlait tout à l'heure de retour en Afrique. Oui. Je crois qu'il a des choses à dire. Donc, je laisse Monsieur Ami Salé continuer la traduction. Please, Avi PM, if you like. OK. Demandez au vice-PM de me donner le temps de traduire. Tout à fait. Oui. As a part of this journey, there is a 4-level team here in Jamaica of stalwart soldiers. Many of which are in the room with us today. I'm asking us all. Ce voyage, j'ai avec Jamaïque un groupe de soldats déjà très bien engagés et préparés. I'm asking us to lift our hat in appreciation to their efforts and determination and hard work. Et je voudrais aussi que vous élevez vos cœurs pour remercier ces jeunes gens pour ce grand travail qu'ils ont déjà entamé. In putting together a program that we refer to as the return, where by next month we'll be having a group of Jamaicans leaving to Ghana for 2 weeks. And a group of Ghanaians coming to Jamaica for 2 weeks. Par rapport donc au travail immense que nous avons commencé, nous avons un groupe de Jamaïcains qui vont quitter la Jamaïque pour le Ghana d'ici un mois et vice versa, du Ghana vers la Jamaïque. And it will be
a celebration because so far we'll be meeting them here celebration, and they will be meeting us in Accra with a similar celebration of kings and chiefs meeting us to welcome back their brothers and sisters to the continent. Ce sera une grande occasion de retrouvailles et ces retrouvailles auront lieu à Accra. Thank you, PM. But that is merci. A great feat, and we think it's the beginning of a great renaissance. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je crois que c'est le début d'une très grande renaissance. Thank you very much to our Vice Prime Minister, Mr. Eugenson. And our Minister of Historical Legacy, Queen Aji, will be sitting in the Royal Chamber of SOAD. In fact, Mrs. Amoako, who is now Queen Windhoek, will sit in the House of Chiefs of ECOSEX. So that is also an announcement that I wanted to know in my capacity as Secretary General of ECOSEX. So we are very blessed to know that Queen Windhoek will sit in the House of Chiefs of the ECOSEX, and Queen Aji will sit and co-chair the Royal Chamber of SOAD with the King Karumbiro, who is the leader of the Chiefs of Zimbabwe, and also the president of the Parliament of the African Union. As you already know, I suppose you have heard about what happened on July the 1st. So this is really the closing of a closing of a closing, because it's impossible to close such a day. It's only the beginning. And I will pass the floor to Marie-Ange, who is actually leading the IDA, the International Day of the African Diaspora. Donc je disais que, puisque d'un côté, vous l'avez compris, Marie-Ange Biyo-Thebo, la ministre du patrimoine, reine Aïdji, elle va co-présider la Chambre royale de l'État de la diaspora africaine. En parallèle, Keturah Amoako, notre vice-première ministre, reine Windhoek, va siéger dans la Chambre des chefs d'ECOSIS. Et donc, nous serons fort bien représentés par l'une et l'autre dans ces deux instances. Et je donne pour clore la parole à Marie-Ange Thebo, la reine Aïdji, que c'est elle, vous le savez, qui a en charge l'organisation des cérémonies de l'AIDAD, la Journée internationale de la diaspora africaine, qui est tellement importante maintenant que ça commence le premier, mais la journée continue un deuxième jour, un troisième et même un quatrième jusqu'à aujourd'hui, comme vous le voyez. Donc c'est à elle que je passe la parole, puisque c'est à elle que revient la charge et l'honneur de conclure ces sessions. So please, Queen Aïdji, would you like to conclude, because that's your mission. Oui, je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont participé à faire de cette journée un succès. I will begin by saying thank you to all of the people that have been participated in making this IDAD a success. When I began the preparation of the IDAD 2 months ago, je ne pensais pas. Et voilà que je fais là. Quand j'ai commencé à préparer la Journée internationale de la diaspora africaine il y a 2 mois, je ne pensais pas que j'allais. Pardon? C'est le symbole de l'unité. C'est pour ça que vous parlez les deux langues en même temps. The symbol of unity, that's why she's making the 2 languages at the same time. Quand j'ai commencé la préparation de la journée de la diaspora africaine il y a 2 mois, je ne pensais pas, je n'avais aucune idée qu'on allait terminer par le couronnement de la reine Windhoek et Aïdji. Oui, en français c'est Windhoek. Oui. C'est comme ça que l'empereur des Aïzo il dit, Windhoek. Donc, par le couronnement de la reine Windhoek et de la reine Aïdji.
I just didn't have a clue 2 months ago when I began to prepare the International Day of the African Diaspora that it would end with the coronation of Queen Windokon and Queen Aiji. That was really the surprise and had some hours of work in the preparation, and that was really a good surprise. Oui, on ne savait pas du tout qu'on allait avoir un couronnement, et cela a été vraiment une surprise, et cela nous a ajouté des heures de travail supplémentaires. Mais c'est un vrai plaisir, voilà, d'accepter cette mission. It is a real pleasure to accept this mission. So we stop for today. The second IDAD. Donc, nous allons conclure et terminer aujourd'hui cette deuxième journée de la diaspora africaine. Mais je ne terminerai pas sans donner rendez-vous aux autres journées nationales de l'état de la diaspora en disant voilà, que le 7 avril, ce sera le Toussaint l'ouverture des. Le 25 mai, Africa Liberation Day. 1er juillet l'année prochaine, nous fêterons la troisième journée de la diaspora africaine. Le 31 juillet, Pan-African Women Day. 17 août, Marcus Garvey Day. 23 août, GISNA. 21 septembre, Kwame Nkrumah Day. 19 octobre, Nani Day. 5 novembre, Carlota Day. Et 20 novembre, Zumbi and Dandara Day. Donc voilà pour le calendrier. Nous allons mettre ça sur le site et nous vous donnons rendez-vous assez rapidement avec bien sûr d'autres personnes qui seront en charge de ces journées. Voilà. So we say goodbye. We see you for the next national days. And of course, there will be different people in charge of those days. Nous déclarons donc la fin de l'IDAD 2021. We declare the end of this IDAD 2021. Well done. Uru Africa. Yeah. Uru Diaspora. Uru Diaspora. Uru Diaspora. Thank you to all of you. Thank you for being here. Thank you for bearing with us. Long live our queens. Congratulations, queens. Merci. Bonne journée. Thank you. Oh, Canada. Merci beaucoup. Prime Minister Johnson. You should have captured a picture. Voilà. Can we capture a picture before we all go? Yes, yes, picture. Don't go. Please. Everybody. Benin. Goodbye. No. Goodbye. I have to stay for the food. So everybody, camera, please. We need to work on our visibility. There's no visibility if you are hidden. Donc, les caméras, s'il vous plaît, ne partez pas. On va faire la photo. And we need to make several photos because we cannot make unique photo for everybody. So we'll make different photos. Please, mettre vos caméras. Please all put your camera on. So that you can be visible in the photo. We need to work for our own visibility.
mettez tous vos caméras que nous puissions vous voir. Have a next generation. Yes. Florence is a generation with us already. In the Indian Ocean. So who's taking the photo then? Is it you? I am. I'm hoping everybody can take photos. So we have. I am taking some now. I'm taking photos as well. Les gens qui sont plus doués que moi, nous les invitons à faire prendre des photos, que nous en ayons plusieurs. Laurence, on ne vous voit plus. Those videos on. Benjamin, on ne vous voit pas. Philippe Patamou. Marion, je n'ai plus là. Ouattara. Queen Adji n'est plus là. Ah ben oui, Marion, tous fait la vidéo de son mariage. Voilà, c'est ça. Vous êtes plusieurs à avoir pris la photo. On a bien la scène aujourd'hui. Mais il n'y a pas Marion, c'est ça le problème. Je ne comprends pas, la Queen Adji n'est pas là. Adji. Prime Minister. Yes. Can you ask the Queen to come to the screen for me, please? Well, let me ask Queen IG. It's available. C'est pas la Queen IG que j'ai besoin. J'ai déjà une photo pour elle. C'est l'autre reine. Je vais la prendre pour Vienne. On sait tous dire, vraiment, personne n'est quitte. Je me souviens pour la photo, elle n'avait pas entendu qu'il y avait la photo. C'est juste coming back pour la photo. Let us wait a little bit. IG, she's coming. Jean, c'est donc toi, c'est toi, tu vas fumer. Moi, je l'avais photographiée. Oui, mais elle a pas. Elle est partie, mais elle n'est pas compris en fait. Mais elle revient. Oh, gorgeous. Beautiful. J'ai photographié tout le monde. Have pictures of the queens, please. It was probably already going to her mission, you know. Voilà. Moi, ça se fait en direct. J'appuie sur trois boutons, plaf, j'ai la photo. Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Can you hear me, Bonjour. Yeah, a picture of VPM Johnson. Yeah. There you go. Okay. Marie-Ange est de retour. Marie-Ange back. Back with us. The queen. But I need Beautiful. To call her again because I cannot see her. How are you, Baba? Yeah, I'm good. You can call me anything because who knows? I might rule over your kingdom. You are a king, VPM. You are a royal Oba today. Yes, you are. Yes, BPM Johnson. Yes, that's true. Yes. Can I have Good afternoon, everybody. Can I have a little silence, please, and everybody smiling, please? Yes, you for a pin. A bit of silence and everybody smiling. Growing, you always get it swelling. Can I have everybody's attention, please? Yeah. So I've been finishing off this document, or trying to in the middle of this ceremony, which I'm so glad, I'll be honest with you, I'm so glad I didn't put my face on there, because I think I'll be the first one to start crying. The minute I saw it, I was burst out into tears. I was so happy. I've never experienced something like this in my life, you know? Yeah. I would like, just after we break here, to get Keturah and PM in the room to have a brief discussion with you. Okay. If you can oblige us, because
I want you to be so forward to start the journey. Because you know that PME just called on me about 2 minutes before to say, I'm going to turn it over to you to close. You're mute, not mute. Over to who to close? You mean you? Yeah. That's. Here I am. Ah, there you are. Ah. Okay, looking for a photo. Beautiful, beautiful. Merci, merci. Voilà. Recule un peu. Oui, la tête est coupée, la tête est coupée. Recule un peu. Voilà. Voilà, voilà. Yes. C'est bien. On va prendre la photo. La reine, quand tu vas venir, on va prendre la photo. Johnson is busy back at work already. On te voit dans le tableau là.
Thank you to all of you for making this day last longer. Thank you for staying. We're going to hopefully put up behind. So yes, let's enjoy. Thank you so much again for bearing witness for this beautiful coronation. Thank you so much. Have you changed your... Have you changed yours? Thank you very much, Queen Aindukun. See you soon. Thank you, Laurence. Thank you so much. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Queen Undukun. Bye, everybody in the Soad Court. Thank you. Thank you so much.